Children don't just grow every day. They are growing every hour of every day, and what they are doing during these hours is important for their development. To provide guidance as to what makes up a healthy day, Canada has created new 24 hour movement guidelines for the early years that encourage a healthy balance between physical activity, sedentary behavior, and sleep. There are many benefits for infants, toddlers, and preschoolers when they have sufficient physical activity. High quality sedentary behavior and sufficient sleep. Their brains are more active, which, among other things, leads to faster language development, increased self confidence, and better mental health. Their bodies tend to be healthier, social skills such as cooperation improve, and they are better able to manage their emotions. These guidelines represent a new perspective on child development based on the best available evidence from experts in the field. For infants under one year old, a healthy 24 hours includes physical activity several times a day in a variety of ways, particularly through floor based play. Infants that are not yet crawling should have at least 30 minutes of tummy time spread throughout the day, not being restrained more than one hour at a time, such as in a stroller or high chair. Screen time is not recommended. When sedentary, an interactive activity like reading and storytelling with a caregiver is encouraged. Infants that are 0 to 3 months old should get 14 to 17 hours of good quality sleep, including naps, while infants that are 4 to 11 months old should get 12 to 16 hours. For toddlers that are 1 to 2 years old, a healthy 24 hours includes at least 180 minutes of physical activity at any intensity spread throughout the day. Including some energetic play and more is always better. Not being restrained more than one hour at a time, as well as not sitting for extended periods. For toddlers under two years, screen time is not recommended. For toddlers that are two years old, screen time should be no more than one hour. When sedentary, an interactive activity like reading and storytelling with a caregiver is encouraged. At this age, consistent bedtimes and wake up times should be established that ensure the child is getting 11 to 14 hours of good quality sleep, including naps. For preschoolers that are 3 to 4 years old, a healthy 24 hours includes at least 180 minutes of physical activities spread throughout the day, of which at least 60 minutes should be energetic play not being restrained more than 1 hour at a time as well as not sitting for extended periods screen time should be limited to no more than 1 hour when sedentary an interactive activity like reading and storytelling with a caregiver is encouraged at 3 to 4 years old children should be getting 10 to 13 hours of quality sleep which may include a nap with consistent bedtimes and wake up times at any age, it is strongly recommended that screen time and restraint time be replaced with additional energetic play, preferably outdoors, whenever possible. Child care providers are in a unique position to help promote the new movement guidelines. For example, by restricting screen time and encouraging active play during the day, but also in educating parents and carers about the guidelines. At times, it may seem challenging to stick to these guidelines, but given the proven benefits to a child's development, a progressive adjustment towards achieving them is recommended. By working in partnership, we can help our youngest generation build the best day possible. Non seulement les enfants grandissent chaque jour, mais ils grandissent chaque heure, et ce qu'ils font durant ces heures est très important pour leur développement. Pour donner des indications sur ce qui constitue une journée saine, le Canada a mis en place des directives en matière de mouvement sur 24 heures pour la petite enfance. Ces directives encouragent un bon équilibre entre l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil. Il y a énormément d'avantages pour les nourrissons, les tout petits et les enfants d'âge préscolaire qui font beaucoup d'activités physiques, adoptent peu de comportements sédentaires et dorment suffisamment. Leurs cerveaux sont plus actifs, ce qui se traduit par un développement du langage plus rapide, une plus grande confiance en soi et une meilleure santé mentale. Leurs corps ont tendance à être plus sains, leurs attitudes sociales telles que la coopération s'améliorent et ils parviennent à mieux gérer leurs émotions. Cette directive représente une nouvelle perspective sur le développement de l'enfant basée sur les meilleures observations disponibles et fournies par les experts en la matière. Pour les nourrissons de moins d'un an, un 24h5 comprend des activités physiques plusieurs fois par jour sous diverses formes, notamment les jeux au sol. Pour ceux qui se ne se déplacent pas encore, au moins 30 minutes réparties pendant la journée de temps passé sur le ventre lorsqu'éveillé. Ne pas rester immobile pendant plus d'une heure d'affilée comme être assis dans une poussette ou dans une chaise haute. Les écrans sont déconseillés. Durant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires par exemple. Les nourrissons de 0 à 3 mois devraient avoir un sommeil de bonne qualité de 14 à 17 heures, y compris les siestes. Et les nourrissons de 4 à 11 mois devraient avoir entre 12 et 16 heures de sommeil de bonne qualité. Pour les tout-petits âgés de 1 à 2 ans, un 24 heures 5 comprend au moins 180 minutes d'activité physique, quelle que soit l'intensité, répartie au cours de la journée, y compris un jeu énergique. Bougez plus, c'est encore mieux. Ne pas rester immobile pendant plus d'une heure d'affilée et ne pas rester en position assise pendant de longues périodes. Pour les tout petits de moins de deux ans, les écrans sont également déconseillés. Les tout petits âgés de deux ans ne devraient pas regarder un écran pendant plus d'une heure. Durant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. À cet âge, des heures régulières pour le coucher et le réveil devraient être établies pour veiller à ce que l'enfant ait entre 11 et 14 heures de sommeil de qualité, y compris les siestes. Pour les enfants préscolaires de 3 à 4 ans, un 24 heures sain comprend au moins 180 minutes d'activité physique réparties au cours de la journée, dont 60 minutes de jeu énergique. Ne pas rester immobile pendant plus d'une heure d'affilée et ne pas rester en position assise pendant de longues périodes. Limiter les écrans à une heure maximum. Durant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. À 3 ou 4 ans, les enfants devraient avoir entre 10 et 13 heures de sommeil de qualité, ce qui peut inclure une sieste avec des heures régulières pour le coucher et le réveil. Quels que soient les âges, il est fortement recommandé de remplacer les périodes devant les écrans par davantage de périodes de jeux énergiques, de préférence à l'extérieur si possible. Les organisations de services de garde ont un rôle unique à jouer dans la promotion de ces nouvelles directives en matière de mouvement, par exemple en limitant le temps d'écran et en encourageant les jeux actifs durant la journée, mais également en sensibilisant les parents et les personnes qui prennent soin des enfants à suivre ces directives. Parfois, il peut sembler difficile de respecter ces directives, mais compte tenu des avantages prouvés au niveau du développement de l'enfant, une adaptation progressive est conseillée. En collaborant ensemble, nous pouvons contribuer à donner à la plus jeune génération la meilleure journée possible.